platonique, platonique, mais nique terre, si tu vois, faut se donner la peine de découvrir les marchés publics. Il y a toujours plein de belles traditions, plein de belles découvertes à faire. Poisson! Devant le premier Starbucks, si vous vous apprêtez à venir faire votre tour ici pour avoir vous aussi votre café de l'original, le Starbucks, préparez-vous à faire la queue sirène! Les touristes viennent par centaines au mur de gomme à Seattle. Une tradition vient de plus de 20 ans. Les gens attendaient pour entrer au théâtre et c'est parti comme ça en mâchant de la gomme. Ils l'ont collé sur le mur et là, ben, c'est officiel que je vais participer, je vais mâcher, je vais coller moi aussi ma gomme, je vais laisser ma trace à Seattle. Après quelques minutes de mâchage de gomme, on est rendu au moment de la coller. Hey chérie, la toune, c'est vraiment Another Gum in the Wall. Belle façon d'agrémenter vos voyages, c'est en faisant du geocaching. Alors, je suis à Seattle présentement. Le geocaching, bref, je vous invite à downloader l'application. C'est une forme de chasse au trésor. Il y a des trucs qui sont cachés un peu partout dans le monde et grâce aux positions géographiques, vous pouvez réussir à les trouver. Les positions, les coordonnées m'apportaient aujourd'hui sur le toit d'un stationnement public à Seattle avec la tour derrière. Et sous ici, la plateforme métallique, j'ai trouvé la géocache. Et en plus, il y a un petit bonus à l'intérieur. Un travel bug. Un travel bug, c'est un truc que quelqu'un a caché. Il y a un numéro de série. Alors, avec le numéro de série, je pourrais savoir de où il vient. Et l'objectif, c'est de prendre et de l'apporter ailleurs, quelque part dans le monde. Alors, je vous invite à découvrir le geocaching. Safeco Field à Seattle, le domicile des Mariners au baseball. Je veux saluer Pat Langlois, propriétaire du Gros Sport, dont je suis porte-parole. Il m'a dit, Doom, si tu passes là, tu dois goûter aux sauterelles. Oui, oui, c'est des sauterelles grillées avec du chili et de la lime. Alors, c'est une nouveauté sur le menu ici. On la voit vraiment bien, là. À ta santé, mon Pat! C'est fait! Allô? Ça, c'est le genre de moment dont ma blonde capote. Ça, c'est le genre de moment ma blonde a capote. Elle aime ça, rouler sur le E, là. Aïe, aïe, aïe! OK, sur le camping, il y a nous autres. Espace restreint, mais bien confortable. Il y a eux autres, encore plus gros. On se dit toujours, ils sont peut-être pas heureux, mais dans le fond, ils sont peut-être bien gros aussi. À la maison. Il est pas pilé, hein? Un voyage de cette ampleur-là, traverser le Canada, retour par les États-Unis, c'est inévitable, ça vient avec ses problèmes. Je savais que ça finirait par arriver. Et là, ben, la famille n'est pas tous nécessairement affectée, mais je me suis rentré une écharde dans le doigt. Ouais, ouais. Je me suis rentré une écharde dans le doigt. Peux-tu croire, toi, ça, hein? Pas facile à gérer.